collègues, pasteurs, officiants du jour, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM de la 80TH, maestro et touristes. Frères et sœurs, des églises sœurs de la Convention baptiste d'Haïti, frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données en Jésus-Christ. La première église baptiste de Port-au-Prince s'est affiliée à la American Baptist Home Mission Society en 1924. Et en 1964, à cause des pressions de toutes parts, on a décidé de donner une direction indigène à l'œuvre, à la mission, et c'est devenu la Convention baptiste d'Haïti en 1964 que la première église baptiste de Port-au-Prince a signé la charte fondamentale. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour les 50 ans de la Convention baptiste d'Haïti. Nous sommes dans la joie pour les 493 ans de la réforme. Nous sommes dans la joie pour les 234 ans de la fondation de l'école du dimanche. Nous sommes dans la joie pour les 198 ans de la présence du protestantisme en Haïti. Nous sommes dans la joie pour les 178 ans de la fondation de la première église baptiste de Port-au-Prince. Et je réponds que nous sommes dans la joie pour les 50 ans de la Convention baptiste de l'Haïti. Nous sommes dans la joie parce que Dieu a usé et use envers nous bonté et fidélité. Car savez-vous que il pourrait arriver que nous serions dans l'impossibilité de vous accueillir ici pour ce concert de la joie, parce que l'Église serait pillée, vandalisée, détruite, brûlée le 2 et 3 juin dernier à cause du démolissement de l'environnement et du bas de la ville. Dieu nous appelle à des œuvres extraordinaires. Nous devons tenter de grandes choses pour faire avancer son royaume. Et nous disons, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est dans la parole de Dieu que le chrétien est appelé à puiser ses forces pour vivre sa foi dans la joie et l'espérance. Dieu connaît la misère dans laquelle nous vivons et sa parole nous évite de sombrer dans la déprime et le découragement. Dieu voit la misère spirituelle, morale et économique de notre société et la joie du salut nous donne suffisamment de force pour renverser la situation. Nous sommes des pierres vivantes de l'édifice spirituel qui se construit pour Dieu. Et à ce titre, il nous incombe le défi de vivre pleinement dans ce pays d'Haïti de plus en plus rongé par la sorcellerie, la violence,
la conviction et l'immoralité. Nous avons chaque jour en face de nous les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, à la suite de l'apôtre Paul, nous vous invitons à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la